Bon, alors, donnez-moi un instant. C'est quoi? Bon, alors salut à tous. Alors bienvenue dans Monster Hunter, enfin Monster Hunter, en Monster Boy et le Royaume Perdu. Alors comment ça se présente? Alors comment ça se présente? Alors, c'est bien oncle Nabu qui roulait sur un tonneau que quelque chose ne tourne pas en rond. Ok. J'ai l'impression que la musique du jeu, il faut que je la baisse un tout petit peu. Alors, je ferais mieux de m'équiper et de partir à sa poursuite. Thank you.
c'est le point de sauvegarde, ça? Ah ouais. Point de sauvegarde réussi. Allez, super. Ok, il y a un truc en bas, c'est obligé. Oh, recule le dragon. Désolé, Jean. C'est moi, ton petit frère. Zeke, ah, de quoi? Comment t'as fait pour tout changer à ça? Tu ne me croiras jamais. Donc le Naboo a sorti une baguette magique et a transformé tout le monde dans le village. Ouf, je ne suis pas fou. Alors je viens juste de le voir passer sur un tonneau volant. Alors, c'est lui, il vole sur un tonneau le nectar royal qu'il a probablement volé au roi. Alors, non, quoi, c'est pas bon du tout, il faut qu'on l'arrête. Tu as vu où il est parti? Oui. Salut, FTC! Comment vas-tu? Alors bonjour, comment ça va? Alors oh, la vache Roy, aucune conviction dans ta voix, NDR. On est d'accord. En fait, je suis encore fatigué, tu vois, pour Jack, et j'ai pas assez dormi, tu vois. Bon alors, j'ai fait Jack 2 et après à un moment donné ça m'a saoulé, et ce qui fait que le jeu je l'ai désinstallé. J'ai désinstallé le 1, le 2, le 3 et plus jamais je joue à ce jeu de MR2 parce qu'il y avait un truc que j'arrivais pas à faire et j'ai arrêté. Ta voix est encore au lit, MDR. Bah oui. Attends. Ah, je vais réécouter le retour. Ah ouais. Ah attends, ça c'est pas normal ça. La prochaine fois, je me prends plus les bouletti parce que ça modifie tellement la voix. Il est allé vers la phase par au devant, je te rejoindrai là-bas, d'accord. Merci. Bon alors, je fais Monster Boy sur la version Switch, parce que c'était à 17€. Alors que 9, il valait dans les 39€.
Et bon, là évidemment, comme vous pouvez le voir, bah, je suis plutôt dans les débuts, hein. Et je préfère jouer à des jeux comme ça qu'à Jack. Parce que, genre, il y a trop de trucs qui m'ont fait rager. Et du coup, plus jamais je retoucherai au Jack. Quand je dis Jack, c'est Jack and Dexter, le 2. Alors, ouais, ça coûte cher quand même, mais de quoi? Je veux dire. Bah, ouais. Ça coûte cher, ouais. Enfin, sur Switch, il y avait une réduction et bah, j'ai voulu profiter de ça. Et ça m'a coûté que 17 euros. Donc voilà. Et donc ce jeu-là comparé à Jack, bah, ça sera mieux, ce jeu-là. Alors la carte. Ok, je suis ici. Exploration de la carte. Alors c'est bon pour Terra, ça marche et j'ai les mêmes serveurs. Ok, bah on jouera à ça ce soir. C'est si tu veux savoir pourquoi j'ai arrêté, pour quelle raison j'ai arrêté le Jack and Dexter, le Jack 2 plutôt, et bah regarde la dernière vidéo et tu comprendras. Ça, au moins, c'est un jeu. Pas comme Jack and Dexter. Alors, et pour Jack 2, on sait que tu es. Hein, de quoi? On sait que tu es bidon, c'est pas grave. On ne te juge pas. Enfin, juste un peu, quoi. Ouais, non, mais. En fait, j'ai pris le jeu, mais en fait, ça correspond pas à mes attentes. Et en fait, il y a des trucs où c'est méga méga relou. Hein. Déjà, pour moi, le jeu, il est pas beau. Il y a des trucs à faire que c'est complètement, bah, on peut dire le mot, con. Qui n'ont rien à voir avec le jeu. Attends, est-ce qu'on peut baisser le son? Ouais, on peut. Voilà, comme ça sera mieux, je pense. Hein, de quoi? En même temps, c'est un vieux jeu. Ouais, c'est un vieux jeu, c'est un vieux jeu qui a mal vieilli. Et c'est un vieux jeu qui va bénéficier d'un, comment on dit ça? Remaster?
Bah, le jeu sera entièrement refait et sera entièrement remis au goût de la PS4. Ah, d'accord, et il fallait quoi si la tombe? Ah oui. L'intuit à natation. Ok. Mais d'accord, ok, faut se baisser et taper. Ok. Bon, attends. Ah ouais, parce que les mobs, à un moment donné, ils repopent. Ok. Et... Y'a rien? Non, oh, c'est bon. Y'a rien. Ah, c'est quoi? Ah, salut, petit panda. Comment ça va? Alors, pour passer là, est-ce que je peux? Non, je peux pas. Allez, y'a quoi là? Les bottes. Alors, des bottes lourdes conçues pour ceux qui souhaitent explorer les fonds marins. Ok. Allez, je prends. Alors, appuie sur plus pour ouvrir ton inventaire, puis bascule sur l'onglet bottes pour les équiper. Ça marche. Alors, enfin un peu d'air frais, mais merci monsieur, cheveux bleus. Alors, tu vas bien, je suis désolé. On dirait que mon oncle t'a aussi transformé en monstre.
Alors quoi, je suis un quoi? Un peu logo. Ok. Alors un de quoi? Pas un monstre. Alors de quoi ce type est complètement fou qui volait sur un baril et ton oncle quand je lui ai demandé s'il avait vu une fille aux cheveux verts. Il m'a balancé dans ce tonneau en riant. Je dois le retrouver à la prochaine. Ok, ça marche. Alors, ça n'était pas là tout à l'heure. Par pitié, dis-moi que tu as un bouclier pour renvoyer les boules de feu. Non. Alors, donne-moi une minute. Je vais trouver quelque chose pour nous débarrasser de cette créature. Alors, tu as acheté des bottes? Bah oui, j'ai acheté. On dirait des bottes à la Zelda. Pardon. Allez, Roy, plus de conviction dans ta voix, l'ami. T'inquiète. C'est le micro qui fait ça. J'ai pas une voix comme ça en vrai. Alors si je m'achète un autre micro, eh ben je m'achèterai plus un Blue Yeti. Parce que les Blue Yeti, ça me donne une voix bizarre. Alors ce bouclier, hein, de quoi ce bouclier ici lisse et illustré qui peut renvoyer les boules de feu vers les ennemis. Ok. Allez, viens là, viens là. Voilà, c'est bien. Là, je vais retourner au tout début parce qu'il y avait un truc dans l'eau. Là, c'est quoi ça? C'est. Alors, hein, de quoi? Si tu sautes plus haut, utilise les bonnes bottes. Ok. Alors non, c'est pas le micro, mais l'énergie que tu mets dans ta lecture. Ok. Après, il y a aussi le micro qui me donne une voix bizarre. Donc, si vous me faites assez de dons, les dons vont me permettre de me prendre un bon micro.
Alors à chaque fois quand on s'en équipe d'un truc, il y a un petit chargement. Alors, qui va un petit coup de pied avec les bonnes bottes en fer. C'était obligé. Non. Bon, ça fait rien, l'encre. Alors, de quoi tu sais, c'est gratuit. Hein? Allez, viens ici. Voilà. Allez, viens là. Viens là. Bon, on peut pas encore y aller. Bon, il n'y avait rien à part ce petit passage là, mais je peux pas encore passer. Bon, alors il y avait un truc au tout début dans l'eau. Alors je vais retourner. En fait, ça s'apparente à un Metroidvania.
On va voir ce que le jeu ça donnera si ça a l'air trop facile. Oh. Bon, ok, je peux pas passer. Tu joues encore à Splatoon? Moi, c'est un jeu auquel j'ai joué à peine un mois et après j'ai arrêté. Bon, allez, par là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a une porte, mais on peut pas passer puisque c'est barré. Alors, Ultimate et Splatoon 2 que des jeux Nintendo. Après, faut pas que rester que sur Nintendo. Faut pas rester que sur une seule plateforme. Faut voir aussi les concurrents, les autres jeux, les jeux autres exclusivités. Super, allez. Ah, de quoi tu vas faire 100% sur Monster Boy, ouais. Je sais pas. Tout va dépendre de la difficulté du jeu, de comment sont cassés, enfin comment sont cachés les objets et tout. Si c'est pas trop compliqué à faire le 100%, bah je le ferai. Bien fait.
Alors, rien de quoi, je joue avec des potes parce que solo, online, c'est des amis, pas ouf. Hein? Alors, rien de quoi, le jeu est joli, par contre, la musique, je me l'aime pas trop pour le coup. Bon, j'ai baissé encore d'un cran pour moins entendre la musique. C'est bon pour tes oreilles, Panta? Enfin, c'est pas Pantin, c'est FTC. Quoique c'est vrai que le jeu il est magnifique, mais la musique elle est un peu saoulante. Alors, mon travail, on peut dire que ton oncle cause vraiment des ennuis. Ouais. Alors, j'aimerais te faire un cadeau. Tu as l'air capable. Hein, de quoi? Tu as l'air capable de t'en servir. C'est quoi? Alors merci, mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est une truffe magique de feu. Ouais, voyons, je l'ai trouvée au fond du tonneau dans lequel j'étais coincé. Tu dois le manger, non? Alors, de quoi, fais-moi confiance, ces choses-là veulent être mangées, c'est pour ça qu'elles sont aussi belles que délicieuses. Tout dépend de ce que tu entends par là. Alors. Tu vois, mais maintenant tu peux lancer des boules de feu. Malheureusement, les truffes ne marchent pas sur les peuples logos. Génial, et il faut que je trouve davantage de ces truffes magiques. Excellente idée. Bon, je dois partir. Si tu croises une fille avec des cheveux bleus, dis-lui que je la trouve, hein, de quoi, que je la trouverai bientôt. Au revoir, monsieur cheveux bleus. Alors, de quoi tu vas manger une vieille truffe? Dans le fond d'un tonneau où il y avait un mousse tout moche. Ah ouais. Alors,
Ok, ça marche. Alors, un nom et... Il a pas vomi. Où tu vois qu'il a vomi? Bon, là, il faut que j'utilise... C'est comment déjà pour utiliser? Ah, ouais, je sais. Ah c'est quoi? C'est... Non, non, tu as mal lu mon message, j'ai vomi... Ah, ok, j'ai vomi quand j'ai vu ça. En tout cas, c'était pas joli, hein. La truffe. Oh, c'est obligé qu'il y ait un truc là. C'est obligé. Allez, vite, vite, vite. Voilà, j'étais sûr. C'était sûr. C'était sûr, en fait. Elle appartient à... Ah, de quoi? Elle appartient à un musicien nommé Oli. Ok. Je suis sûr que dans la vraie vie, on aurait mangé aussi. Non. Enfin moi, j'aurais pas mangé. J'aurais goûté. Sinon, hier, fois, t'as vu le Nintendo Direct? Parce que moi, j'ai regardé, il était pas ouf. Les jeux qu'ils ont annoncés, ils étaient pas intéressants. Allez, sauvegarde. Voilà, c'est bon. Ben, en fait, j'ai rien retenu, tellement les jeux ils étaient pas ouf. La seule chose, c'est que au commencement, il y avait une extension pour. Comment ça s'appelle le jeu? Cadence of Hyrule. Enfin, le jeu avec Zelda où faut. Enfin, où c'est en rythme. Et voilà. Ouais, je m'attendais à des surprises, mais il n'y a pas eu. Genre une annonce pour Mario, mais il n'y a pas eu.
Donc là, il y avait un coffre sur l'île dans l'arrière-plan. Merde, je suis resté trop longtemps. Ah ouais. Ouais. Mais ça, faudra revenir ici plus tard pour aller là-bas. Oh, déjà. Allez, aujourd'hui je vais faire 12 heures de stream pour ça. Passer pour l'instant. Mais non, jamais. Allez, viens, reste. Viens là. Viens là. Viens là. Voilà. Bon, dommage qu'il ne peut pas avancer plus vite. Là, je suis... Ok. Non, 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 non. Ok, ce qu'on a pris, même si on perd, ça sauvegarde. Ok. On n'a pas besoin de reprendre. Ah
Bon, en fait, y avait rien par là. Où ça, y a un joli levier en bois? Ah, t'as eu le temps de voir un joli levier en bois, là? En haut. Ah oui, c'est vrai. Sérieux? Ok. T'as l'œil, parce que même moi j'ai pas vu et je pense que je me serais douté qu'il y aurait un levier, mais j'ai pas vu du premier coup. Bien joué, t'as l'œil. Pour la peine, t'as à mon rang 5 joueurs d'affilée. Ou 6. Ouais, mais quand même pas trop, tu vois. En fait, le truc, c'est pas des systèmes de niveau. Alors, boule de feu, Roy. Bah oui, mais j'en ai pas. Peut-être qu'il faut acheter en magasin. Il y a un arc. Sérieux? Alors, ah, de quoi, mais tu ne craches pas du feu grâce à la truffe. Bon, en fait, c'est ça la truffe. Oh, allez. Elles sont limitées en fait, bah ouais, à 5. Y'a rien là? Y'a rien.
C'est vrai que les pièces, ils sont limitées à 99. À moins que je me trompe. Non, même pas. Je me trompe. Alors, je pouvais pas aller là. Ouais, je vais devoir revenir plus tard. Oh, il y a un autre levier en haut. Trop puissant. Trop divin. L'intuit à natation. C'est pas pour que j'utilise les boules de feu n'importe comment, hein. Je vais aller refaire le plein. Coffre. Ah, purée. Plus c'est simple. Dix ans plus tard. Mais... C'est pas possible. Ah, voilà un truc utile. Good, parfait. De toute façon, le secret. Allez, super.
Ah, il y a un truc brillant. En fait, j'ai l'impression qu'il faut que je passe par en haut. Ouais, il y a un coffre. Et le coffre, je ne peux pas aller le prendre. Bon allez, c'est parti. Je dois y aller à plus. Allez, à tout à l'heure FTC. Je reviens dans quelques petits instants. Je vais pisser.
Bon, je faisais un petit test au niveau du son. C'est bon. Ah, qui aime bien les Metroidvania. Bah, je suis ça. Alors, reprenons. Alors viens là, viens là. Thank you.
Et ben voilà! Purée! Des popos! Un délicieux liquide qui rend une partie de tes points de vie. Utilise automatiquement quand tu vis. De quoi? Quand ta vie a atteint zéro. Bah, ça c'est bien. Allez, j'en prends. Oh bah, je peux plus en prendre. Pépé. Attends-moi. Oncle Naboo et un de quoi? Non, Oncle Naboo est à l'intérieur. Fais attention et il a invoqué des monstres sur ma route. Ok. Alors je t'avais dit qu'il avait perdu la boule. Le voilà. En fait, je sais c'est qui. C'est Pépé le Ramelo dans Zelda. Alors, qu'est-ce que vous voulez, les morveux? Si vous êtes venus pour ma baguette, vous pouvez l'oublier. De quoi je pense qu'il est temps de rendre cette chose mon oncle. Tu as déjà causé assez d'ennuis comme ça. Alors qu'est-ce que tu les trouves d'abord? Alors c'est pas vos affaires. Je vais vous faire regretter de m'avoir suivi, mais avant, ouais, ben j'attends. Heureux. Alors déjà vide. De quoi il me faut plus de nectar royal. Alors reste hors de mon chemin si vous ne voulez pas voir mes vrais pouvoirs. Ok. Alors de quoi c'est du sérieux, c'est cette baguette. Wow. OK. Ok. Il me faut une carte royale.
Ouais. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok, j'ai vraiment compris. Oh, vraiment, ce... Enfin, je sais pas, mais... Comparé à Jack and Dexter, c'est mieux. Et enfin, j'aime bien. Enfin, n'empêche que le gameplay il est un peu lourd. Mais sinon ça passe. Alors, ouais, allez. Pour moi, ce jeu-là, je passerai des heures et des heures sans être dégoûté. Pardon. Pour le tuer, ça va être chiant. Après, méga heureux. Déjà vide. Il me faut plus de nectar royal. Thank you.
Eh merde! Il allait bientôt crever! Voilà, ça c'est bon. Ça va ? Je m'ai transformé en cochon. Comment je suis arrivé dans les écoutes à cause de PP. Ah. Je suis en cochon avec un cachet en plus. Mais maintenant, je suis trop gros pour porter mon équipement. Alors, en tout cas, l'odeur ici, elle est pas du tout. Alors, en tout cas, au moins, ce super grand va pouvoir m'aider à remonter le chemin vers la sortie. C'est une bague. Alors. D'une substance spéciale magique, son parfum est étrangement irrésistible et elle s'avère essentielle pour mettre du buteur. Ok. Point.
fait, ce jeu-là, ça me correspond bien. Ouais, je sais. Comme le dessin l'indique. Une clé. Génial. Alors, cette clé devrait ouvrir une porte verrouillée qui est quelque part dans les égouts. Ça, c'était en haut. Et maintenant, comment on fait? Ah ben, comme ça. Tu peux désormais transporter plus de boules de feu et une puissance de une puissance de feu supplémentaire signifie plus d'ennemis plus d'ennemis fuyant ta colère brûlante. Ça marche. Bon allez, au prochain truc de sauvegarde, j'arrête là. Et après, pour ce soir, je ferai un live plus long. Ce jeu-là, c'est du Metroidvania. Enfin, un truc pour sauvegarder.
En fait, la musique de départ, elle saoulait, mais là, les autres musiques, non, plus trop. Hein? Je peux pas. Ok, bah, parce que je suis déjà à fond. Ok. Ah mais vraiment j'aime bien. Donc je vais m'arrêter là et ce soir je ferai un live plus long. Donc je vais m'arrêter là. Et bon, tout à l'heure je vais faire une petite session de Fortnite. Bon. Bah moi. Ah ouais, le son. Moi. Ah ouais, le son. Alors au niveau du son, faudrait que je règle. Non, même pas. Il faudrait que je parle plus fort. Il faudrait que je prenne l'habitude de parler un peu plus fort. Ça irait à merveille. Bon, alors au niveau du son, je vais encore le baisser. Alors là-dessus ça se passe comment? Apparemment c'est bon. C'est bon. Donc bah, je vous dis bon après-midi à vous. Moi, je m'arrête là. Et dans un instant, ça sera du Fortnite que je vais faire. Et après ça, bah, je ferai de nouveau du Monster Hunter. Monster Boy. Voilà. Allez. Moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi. En fait, je suis à Réunion et c'est le début de la soirée pour moi. Bon, allez. Tchuss.